Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous démarrons ce journal par ces hommages officiels et populaires rendus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au président honoraire de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bindou, décédé le 17 janvier dernier à Bruxelles à 77 ans. Le chef de l'État était accompagné d'un parterre d'officiels. Son sens élevé du patriotisme a été célébré lors d'une cérémonie au Palais du Peuple. Il sera enterré ce dimanche à la nécropole. C'est un reportage de la presse présidentielle. La République a rendu hommage ce samedi à l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bindou Biamanganga, qui a tiré sa révérence lundi 17 janvier 2022 à l'âge de 77 ans à Bruxelles où il était parti pour des soins médicaux peu de temps avant d'avoir démissionné de ses fonctions. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au Palais du Peuple, lieu où se sont tenues les obsèques solennelles du président honoraire de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil de l'illustre disparu avant de consoler la veuve de Maître Luamba et ses enfants concernés par cette disparition. Le chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, a décoré ses hauts magistrats de la République, Benoît Luamba, à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, au titre du grand cordon. Plusieurs personnalités et chefs des institutions ont pris part à cette cérémonie des hommages nationaux, notamment les successeurs de Benoît Luamba à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kelouba. Le patron de la Cour constitutionnelle a pris la parole pour le mot des circonstances avant de laisser la place à la famille de l'illustre disparu pour l'oraison funèbre. Benoît Luamba Bindou était un haut magistrat qui s'est imposé comme une figure importante et emblématique de l'appareil judiciaire congolais. En 1999, il assuma les fonctions de président de la Cour suprême de justice. En 2006, il participa activement à la mise en place de la Constitution de la République démocratique du Congo. En juillet 2018, il sera investi comme président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. En sa qualité de président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba a validé le résultat de l'élection présidentielle de 2018 et a participé à la passation pacifique du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et le président entrant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fonctions qu'il a assumées jusqu'avant sa démission pour convenance personnelle en mai 2020. L'inhumation interviendra ce dimanche 20 février 2022 à Nécropole, entre terre et ciel, dans la commune de Sélé, après la messe en sa mémoire à Notre-Dame de Fatima à Gombe. Et cette ordonnance numéro 22/018 du 19 février 2022 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros national Kabila Lumumba d'un premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République ordonne. Article 1er est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, Monsieur Benoît Luamba Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 19 février 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 19 février 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/017 du 17 février 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne article 1er pour une période de 15 jours.
prénom court. Le 29 février 2022, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 17 février 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 février 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbuizia, directeur de cabinet. Autre fait de l'actualité, tenu ce vendredi 18 février 2022, le traditionnel conseil des ministres sous les auspices du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, plusieurs sujets d'intérêt national ont été à l'ordre du jour. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya Katemboué, porte-parole du gouvernement, nous en énumère quelques-uns. Compte rendu de la 41e réunion du conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 41e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 18 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décisions du Conseil des ministres. 4. Adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 5 points, à savoir 1. La nécessité d'un dispositif répressif adapté à la cybercriminalité. Au regard des dérapages constatés sur les réseaux sociaux notamment, le harcèlement sous diverses formes, l'usurpation d'identité numérique, la diffusion du matériel à contenu tribaliste et des conséquences éventuelles, le président de la République, face aux limites du dispositif légal actuel dans la répression de la cybercriminalité, a invité le gouvernement à finaliser le projet du code du numérique. L'adaptation de ces codes nécessitera la réécriture de la loi pénale, mais aussi prenant en compte notamment les questions de la preuve électronique. Le président de la République a aussi appelé à la responsabilité de chacun de nos concitoyens, les médias et autres structures qui facilitent ou véhiculent cette forme de criminalité, de se remettre sur le droit chemin en évitant d'agir en marge de la loi. Je viens donc de corriger avec moi que le compte-rendu a été lu par le ministre du Pétentique, Augustin Kibasa. La vision du chef de l'État avec le développement des 145 territoires va de pair avec le développement de l'agriculture. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la signature d'un contrat de partenariat public-privé entre l'ONAPAC et la société Mwendosa. Là, c'est l'une des retombées du lobbying mené par le président de la République, Marc Manganza Kalala. La République démocratique du Congo, quasi inexistante sur la scène internationale dans les domaines de l'agriculture, se trouve dans l'obligation d'accroître sa visibilité en vue d'attirer les investisseurs. C'est dans cette optique que l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, représenté par son directeur général Guy Bompaté, a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société Mwendo SRL, membre de Dubaï Multicommodite, représenté par son président directeur général Bailongandi Lifaefi Idi. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, se fait représenter par M. Ikwanzongo Christian, conseiller en charge des projets et coopérations.
le développement des 145 territoires de la RDC se fera accompagner d'une agriculture rénovée. Aujourd'hui, avec la vision du chef d'État de développer les territoires, nous devons accompagner cette vision avec le développement, la relance de l'agriculture. On va diminuer la pauvreté. On va arrêter l'exode rural parce qu'on va amener le travail au fond du village. La République démocratique du Congo est un pays solution, comme le décrit si bien le président directeur général de la société Mwendo Essarel. Inciter la diaspora, les entrepreneurs de la diaspora, à revenir au pays avec des projets. Ce projet-là, ce sera vraiment une innovation pour le gouvernement ici. Le Congo est un pays solution. Nous avons la solution à tous ces problèmes qui touchent tous les pays dans le monde. Les deux parties ont convenu l'évaluation de la mise en œuvre du présent contrat chaque 6 mois après son entrée en vigueur. Rendons-nous en province, précisément dans le Haut-Katanga, où le gouvernement provincial a ouvert plusieurs chantiers dans la cité minière de Kipushi. Et donc, le ministre provincial des infrastructures a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution de ses travaux. Le compte-rendu, reportage. Des engins qui font des va-et-vient, des camions qui déposent des matériaux, des ouvriers dévoués chacun à sa tâche, le gouvernement Kabula ne lésine pas sous les moyens pour construire des canalisations, ainsi éviter des érosions qui peuvent couper en deux la route de Kipushi. Le ministre provincial des infrastructures s'est rendu sur place en visite d'inspection. Miguel Katem Kachal a suivi de l'entrepreneur des explications sur l'évolution des travaux. Poursuivant sa ronde, le patron des infrastructures dans le Haut-Katanga atteint la commune de Kipushi. Sous escorte de la population, Miguel Katem Kachal inspectera tour à tour les avenues Louvois, Éthiopie et Djamena, où les travaux de modernisation se poursuivent malgré la tombée de fortes pluies. L'envoyé de Jacques Kabula Katou à Kipushi effectuera également un passage par le stade Oyua, ce cadre sportif est en pleine rénovation. La visite de Miguel Katem Kachal à Kipushi a démontré que le gouverneur Jacques Kabula conjugue ici au présent la vision du président de la République. À la population de Kipushi, tout entière, de faire confiance au président de la République, chef de l'État, qui met l'homme au centre de tout, le peuple d'abord. Et vous avez vu que nous travaillons pour le peuple et la population est très contente. Et le gouverneur des provinces qui ne cesse de fournir des efforts pour matérialiser la vision du chef de l'État. Le Haut-Katanga, sous Jacques Kabula, est résolument engagé sous la voie de son développement. Pendant ce temps, de la province du Kwilu, le gouverneur Willy Itsundala à 5 se bat de plus en plus pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement, de développer le pays. Eh bien, le secteur infrastructure de cette partie du territoire national prend de l'ampleur, ce grâce à la gestion orthodoxe de ce gouverneur. Les détails dans ce reportage. L'essor du secteur infrastructure n'est plus un mythe, mais plutôt une réalité depuis l'avènement du gouverneur Willy Itsundala à 5 à la tête de la province du Kwilu. Dans un temps record, grâce à sa politique et sa gestion orthodoxe, inclusive et participative, ses patrons de l'exécutif provincial kwilois a changé les décors infrastructurels de sa juridiction par la construction de plusieurs ouvrages, question de répondre aux besoins de ses administrés. Certes, cette figure emblématique a soufflé un vent nouveau au développement du Kwilu, contrairement à ses prédécesseurs, car au stade actuel, les 2 grandes villes et 5 territoires de sa province sont touchés par les effets à impact visible de sa gestion, dont la construction des écoles, des centres de santé modernes, des cliniques universitaires et à cela s'ajoutent des réhabilitations des édifices publics. Cet homme populaire et aimé des Kwilois et Kwilois a fait preuve d'un bon gestionnaire et bâtisseur, malgré les difficultés financières liées au manque de frais de rétrocession par le gouvernement central pendant plusieurs mois. Cette rénovation du secteur infrastructure fait de lui un véritable accompagnateur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à doter la RDC des infrastructures modernes pour le développement du pays. Le gouverneur Willy Itsundala Hassan porte aujourd'hui l'armure complète pour défendre et chercher le bien-être de sa population et surtout pour atteindre les objectifs logés dans les 5 piliers de son programme quinquennal, parmi la construction des infrastructures de base. Suivez à présent les activités du vice-gouverneur de la province du Haut-Uele.
structures durant ces acteurs intervenant d'une manière ou d'une autre dans les secteurs miniers venus de quatre coins du Haut-Tuile et au-delà n'ont pas eu du temps perdre pour produire ces documents de travail à l'issue de cet atelier de formation d'échange sur les dispositions ou mécanismes mis en place par le Code minier pour la contribution du secteur minier au développement communautaire. J'ai demandé au gouvernement provincial de mettre en place la commission permanente d'instruction du cahier des charges et de désigner les membres de cette commission dans un délai d'un mois. Aux sociétés minières établies dans la province, il est recommandé, premièrement, de finaliser les négociations et de signer le cahier des charges dans un délai d'un mois à dater de la tenue des présentes assises. Aux membres de la communauté, il est recommandé de s'approprier les projets de développement réalisés par l'entreprise en exécution du cahier des charges et d'autres sources de financement des projets communautaires. Pour sa part, le vice-gouverneur rappelle la nécessité pour chaque partie de tenir ses engagements. J'en appelle à toutes les autres sociétés minières EVRA à la province de s'engager sans désapparaître dans le processus d'élaboration des cahiers des charges et ainsi contribuer au développement local. La veille, le gouverneur de province, Christophe Bessé-Nenong, avait encouragé les différents acteurs à œuvrer dans la bonne direction pour matérialiser la vision du chef de l'État dans ces secteurs. L'ASBEL Reportage sans frontières dit avoir conclu son enquête sur l'exploitation minière de l'entreprise CEDEM dans le site de Kasulo. C'était au cours d'un point de presse organisé en vue de présenter ce travail au chevalet de la plume. Images et commentaires. Ce sont les sites Kasulo et la zone d'exploitation 686 qui sont au cœur de cette enquête présentée à la presse ce samedi 19 février. L'auteur de ce travail, qui est le coordonnateur de l'ASBEL, Reportage sans frontières, Mikantenga, dit avoir réuni tous les éléments pour démontrer la supercherie de l'entreprise minière Congo Dongfang International Mining, CEDEM en sigle, en ce qui concerne sa présence sur les sites miniers artisanaux de Kasulo ainsi que son exploitation. C'est depuis 4 ans que CEDEM est à Kasulo. Au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question quelles sont les retombées de cette exploitation minière artisanale de ce côté-là. Il y a eu un contrat signé entre le gouvernement provincial du Lualaba et CEDEM qui, aujourd'hui, n'a jamais été révélé au grand public. Il a été une question pour nous de fouiner et de savoir les tenants et les aboutissants de, ce protocole d'accord et voir dans quelle mesure CEDEM est intervenu par rapport à son cahier de charge. D'ici peu, ça sera la publication de cette enquête, a-t-il renchéri. Aujourd'hui, ça a été un point de presse. Nous avons lancé les activités, une série d'activités, en attendant la publication qui va intervenir dans les tout prochains jours. Au cours de cette publication, nous allons étaler toute la vérité sur la question qui prévaut sur la zone d'exploitation minière artisanale de Kasulo. Il s'est lancé dans les actions sociales au profit de sa circonscription électorale de Goma. Le député national Josué Moufoula est allé au chevet des femmes veuves des militaires dans la province du Nord Kivu. Les précisions dans ce reportage. Sa devise, vivre pour les autres et agir pour le changement. Josué Moufoula en a fait aussi une devise de sa fondation, fondation qui porte son nom. Une structure qui existe depuis 2017. Durant 5 ans, cette fondation s'est démarquée par la promotion des talents artistiques latents des jeunes, par l'entrepreneuriat des jeunes désœuvrés, l'autonomisation des femmes démunies, ainsi que de l'évangélisation de la parole du Christ Jésus. Les calamités rencontrées par la ville de Goma en particulier et la province du Nord Kivu en général n'ont pas laissé indifférent cet élu du peuple. À travers sa fondation, Josué Moufoula s'est déployé pour porter secours aux victimes d'Ebola, de la COVID-19 et de l'éruption volcanique. Les veuves des militaires et des policiers ont retenu l'attention de la FJN lors de la dernière activité de la Fondation. Ces femmes, dont les maris ont laissé de leur vie pour la nation. Nous avons tenu à rencontrer les femmes veuves militaires et policiers pour les encourager par rapport à l'autonomisation de la femme. Mais il vous souviendra qu'il y a quelques jours seulement,
Ces veuves militaires ont manifesté pour revendiquer certains de leurs droits. Sa présence à Goma lors de ses vacances parlementaires, le député national José Moufoula a profité pour suivre l'évolution des microcrédits au profit de ces femmes. Des microcrédits financés grâce aux sacrifices consentis, dont la vente de sa palissade. José Moufoula a refusé tout avantage lié à sa fonction pour mettre cette enveloppe au profit de ces femmes. Sachez également que plusieurs familles des 14 groupements du territoire de Kabéré et Kaléé, nous sommes de la province du Sud Kivu, ont reçu des semences et objets champêtres, dont du parc national de Kahuzi-Biega. Parc national de Kahuzi-Biega a offert des semences et outils aratoires à plusieurs familles des 14 groupements des territoires de Kabéré et Kaléé. L'activité a eu lieu le jeudi 17 février 2022 au site du parc national de Kahuzi-Biega. Cette assistance entre dans le cadre du programme mis en place par le responsable du parc national de Kahuzi-Biega de promouvoir l'agriculture des riverains. Après l'octroi de ces semences, le PNKB a sensibilisé les bénéficiaires de ces semences au respect et à la protection de ce patrimoine mondial. Kasereka Bihamba Chadrak, chef de lutte anti-braconnage au parc national de Kahuzi-Biega, a circonscrit cette activité dans ces termes. Bien avant, on faisait la conservation policière, mais avec cette politique, la haute hiérarchie a décidé que peut-être on puisse intégrer les riverains à comprendre pourquoi la conservation, c'est pourquoi il y a une sorte de la conservation communautaire. La communauté puisse comprendre que vraiment ils sont tous impliqués dans la protection de nos athées, les aires protégées. Et c'est pourquoi quand on partage, on donne la semence, vraiment c'est parmi nos objectifs. Les bénéficiaires des semences ont aussi promis d'utiliser à bon escient ces outils et ces semences, mais aussi et surtout de ne plus continuer dans l'abattage des arbres et animaux protégés. Les musées nationaux de la République démocratique du Congo souffrent d'une carence d'un personnel qualifié. Le musée national de Goma n'est pas épargné. Le besoin d'apporter un appui pour la valorisation culturelle se fait sentir, d'où le plaidoyer du renforcement des capacités à l'Institut des musées nationaux. Images et commentaires. Le national de Goma, situé au quartier Keshero sur l'avenue des enseignants, se bute actuellement à une très grande difficulté, celle de manque d'un espace. Le patrimoine matériel et immatériel qu'il détient aujourd'hui est un héritage d'un expatrié du nom de Marcel Lorenzo, un sujet luxembourgeois. Une révélation faite ce jeudi 17 février 2022 par Routebuka Rodrigue, historien de l'art et anthropologue chargé de collection et éducation au musée national de Goma. Il révèle que ce musée est constitué des objets antiques et reflétant la diversité culturelle, et c'est pour permettre aux générations futures de prendre conscience du bien fondé de l'avenir du pays. Selon lui, le musée est une banque culturelle. La vision actuelle est d'aller vers les écoles, les universités pour réveiller la curiosité des élèves et des étudiants. Quand nous partons même dans les écoles, il y a un problème qui se pose. Il y a, exemple, les enfants de l'école primaire, quand ils voient les œuvres d'art, la première des choses qui passent dans la tête, ils disent que c'est de la sorcellerie. Or, quelque part, nous devons faire en même temps une décolonisation mentale dans la tête de nos enfants. C'est très, très, très capital et très important. Une fois que cette aliénation mentale ou assimilation mentale, dès que ça quitte la tête des gens, les gens vont venir au musée sans problème. Dans ce musée national de Goma, à part les statues, les masques qui rappellent les ancêtres, on y retrouve également des livres de missiologie, d'archéologie, de linguistique, des revues pour ne citer que cela. Et ce musée national de Goma a vu le jour vers fin 2018. Et a été notifié officiellement en 2019. Également dans l'actualité, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS de Laurent Batoumona condamnent la situation tendant à déstabiliser les institutions de la République. Elles demandent à la population l'observance d'une vigilance tout azimut. Un reportage de Renette Koulonga rendu par Lisette Mujinga. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS notent que l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé la RDC dans la consolidation de la démocratie et l'état des droits, gage de la stabilité politique et économique. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS relèvent que la situation tendant à déstabiliser les institutions de notre pays
tel qu'annoncé par les porte-parole du président de la République sur les antennes de la RTNC constitue un acte criminel destiné à freiner l'élan du développement entamé avec une vitesse de croisière par le président de la République. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDFS, FPAI en sigle, condamnent ces pratiques machiavéliques, antidémocratiques et anticonstitutionnelles, voulues par les ennemis de notre peuple et tendant à nous ramener aux périodes tristes et douloureuses de l'histoire de notre pays. Les FPAU demandent à la population l'observance d'une vigilance et renouvellent leur indéfectible attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi qu'aux institutions et lois de la République. Les personnels administratifs, politiques et techniques du ministère de la formation professionnelle étaient en formation. Des modules qui ont porté sur le système de l'enseignement technique et formation professionnelle. Cédric et Nina nous ont dit un peu plus. Système de l'enseignement technique et formation professionnelle, ses sous-systèmes et ses mécanismes de fonctionnement, c'est autour de ces thèmes combien essentiels. Les personnels politiques, administratifs et techniques du ministère de la formation professionnelle a été édifié et ce, dans un atelier de renforcement des capacités. 4 jours d'intenses travaux qui ont débouché par des pertinentes recommandations allant dans le sens de mettre en relief l'urgence de réformer les sous-secteurs de la formation professionnelle. Des recommandations fruit des travaux en panel qui méritent l'accompagnement dans sa mise en œuvre, a souligné la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu-Kabenga. Je suis ravie de l'aboutissement qui est tombé sur les capacités renforcées du personnel de mon ministère. À la lecture de votre recommandation, je note que vous avez compris l'importance et l'urgence des réformes de réformer les sous-secteurs de la formation professionnelle. Pour cela, je voudrais vous assurer